On parle tout bagay. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. On parle tout bagay. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est émission pour la qui entre la KO. C'est On parle tout bagay. Généralement, nous connaissons émission ça les diffuser sur Canal Bleu. Bleu comme le ciel. Et montage là, c'est Wilgens qui assure de ça. Et puis nous avons mis en ordre là, Chalmay, qui pote émission ça pour vous. Ensemble avec nous, nous allons partager connaissances que nous gagnons avec un gros, gros invité que nous portons pour aujourd'hui, hein, qui c'est Jimmy Malval. Ou même qui a suivi l'émission ça, nous souhaitons déjà bonne écoute, prenez une chaise bas, genre qu'on a habitué à faire, et vous capable tout aller sur YouTube. Quand on a besoin de parler tout bagay, on a besoin de channel de parler tout bagay, et qu'on s'en regarde toute émission qui déjà réalise. Généralement, Kamel toujours là avec nous, mais je dis encore une fois, c'est moi-même serviteur qui a occasion pour me là avec vous tout au long de l'émission. Et nous allons aborder un sujet qui est très, très important pour le pays qui vivre là. Sujet ça, c'est qui modèle économique qui a permettre Haïti sortir dans tout. On peut prendre qui modèle économique qui ka permettre Haïti sorti dans tout. Donc pour nous aborder thème ça, jodi a nous gagne avec nous Jimmy Malval qui passe de présentation, lycée professeur à l'université, lycée consultant, lycée cadre dans une institution bancaire qui est dans pays a. Donc avec lui nous pour aborder sujet ça. Donc moi je veux dire Malval, Jimmy, a choisi non. Malval, bonjour, comment vous? Bonjour Paris, ça va bien, c'est un plaisir pour m'avoir nous aujourd'hui. Hein? Moi salue tous les téléspectateurs de Canal 2 et m'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Nous allons passer un bon moment ensemble, c'est Malval qui dit. Donc, nous allons présenter nous Malval tout à l'heure, nous allons dire que lui c'est cadre dans l'institution bancaire, lui c'est également professeur à l'université, lui c'est consultant, mais nous allons pas dire nous, lui c'est également écrivain. Et c'est avec chapeau ça, Malval, que je voulais démarrer l'émission. Hein? Donc, vous êtes économiste. Donc, nous allons parler comme en tant qu'écrivain dans un premier moment, qui sont réalisés comme écrivain. Partagé avec téléspectateurs, Canal Bleu. Bien entendu, l'année dernière, nous avons publié un recueil de nouvelles, c'est Nouvelle Errance, qui nous a dit ça bien accueilli par le public là. Et c'est un livre tout qui était reçu voir, prix Georges Castaldi-Lembe, des lycéens. Et, donc, a dit, un écrivain vive de appréciation lecteur, de amour lecteur, et donc, a dit que nous jouons un feedback qui paraît plus ou moins positif. Bien entendu, son recueil de nouvelles, de 10 nouvelles, et qui parlait de sujets divers, qui abordait des sujets politiques, très politiques, tant pour la majorité silencieuse, qui abordait des drames de vie aussi, ok? Côté nous fait une véritable incursion sous période du Valier, côté nous parler de période d'échoucage, côté nous parler de période qui était tonton Macoud, côté nous t'es même dans une nouvelle au coin de rue nous parler de ça qui est passé en 63 lorsque mon était tenté assassiner Jean-Claude Duvalier et de représailles qui était gagné après en pile monde mouri dans jour ça. Donc, c'est un recueil que nous invitons tout le monde à lire et que grand pile monde qui lit au bail feedback. Et nous gagnons des projets de publication qui en gestation là. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous gagnons un livre sur l'entrepreneuriat que nous avons publié, qui c'est une autobiographie d'un entrepreneur et qui, côté n'a analysé difficultés qui gagnent pour entreprendre en Haïti, pour commencer, mais tout défi ça baille pour rester sur marché en tant qu'entrepreneur et n'a pour être tout les leçons apprises de l'entrepreneuriat ce qui est capable de servir pour les jeunes et les moins jeunes. OK, Nouvelle Errance, c'est un recueil de nouvelles Jean-Claude Dien, donc qui parlait de questions politiques, c'est ça? Il parlait de politique, il parlait de vie personnelle, il parlait de camaraderie, il parlait d'amour, il parlait d'Haïti dans toute sa plénitude. Donc, c'est un recueil ou en couleur et qui parlait à tout un chacun parce que chacun a pu connaître la donne. Donc, dernièrement, j'étais naïf et puis, je rencontre un camarade qui dit que
Ça qui attire l'attention, c'est une nouvelle ou écrit qui c'est Destin Croisé. En dans Destin Croisé, nous font une petite description de l'emballage là, côté des mécaniciens. Ok. Côté, nous dit chaque matin, mécaniciens, que moi, les professionnels de la mécanique, ils sortent, ils n'ont pas de rendez-vous avec personne. Ils attendent. Ils attendent que leur machine tombe en panne ou vienne train. Wow. Tout comme, nous-mêmes, le matin, nous faisons le travail, nous levons, nous prions, le divin créateur, et puis nous disons que tout le bagage passe bien pour nous. Pendant que nous disons que tout le bagage passe bien pour nous, ça veut dire que ça, que nous travaillons bien, nous tournons bien, que la machine ne va pas en panne. Mais, il y a un mécanicien, en tout cas, prier pour la machine tomber en panne. Pas tout le machine en panne. C'est ça. C'est comme s'il me dit que le bonheur ne servait pas, il change de main. Waouh! Wow. Vous comprenez? Wow. Parce que les machines vont tomber en panne. Est-ce que ça veut dire prier qui va exaucer, c'est pas mécanicien qui exauce, ou bien l'aide pas tomber en panne? Est-ce que c'est pas là qui exauce, c'est pas là qui va exaucer? Donc, c'est un peu de philosophie que me fait à travers la nouvelle ça, que m'inviter tout un chacun à lire. Ok. Kounya là, l'autre dit nouvelle, est-ce qu'on a expliqué une brise où il est, ou qu'il y a un livre là, nouvelle, et vous dit, et errance. Okay. Parce que terme errance là, on a fait expliquer aux téléspectateurs, elle nous dit nouvelle, c'est quoi exactement? Et puis errance, vous avez dit nouvelle et errance. D'abord, on a dit nouvelle, c'est une histoire courte, qui est vraisemblable, qui sortit de l'imaginaire, mais qui est vraisemblable, qui a un dénouement rapide, qui parle d'un pile protagoniste, okay. Mais qui gagne le don, qui gagne le mérite pour choquer de par fin lit, pour choquer le lecteur par façon le fini, pour choquer le lecteur par façon l'idée ou lui. Okay. Mais là, nous dit errance. Et là, c'est parce que, il y a quelques nouvelles, ça y est, non pas estimé qui répondent tout à fait à connotation nouvelle, mais c'est plus un peu de philosophie. Okay. Comme nous fait un peu de philosophie, nous divaguer, nous errer, donc nous dit recueil là, c'est un recueil de nouvelles et d'errance. Ok. Et nouvelle errance, déjà, comment on est en distribué, combien d'exemplaires que on est en vente, bon, exactement? Écoute, et qui côté nous capable de jouer? Écoute, nous sûr que nous, dans 200 à 300 exemplaires qui déjà écoulé, qui livré, oui, c'est sûr, mais et, ces chiffres, c'est pas ça qui est important. OK. Chiffres, ça qui est important, c'est que ce livre les fait outil, que ce livre les rencontre appréciation publique là. Mais nous qu'a venir dans la Pléiade, nous qu'a venir dans Astéris et maison d'édition en tout, li, et délivré et li, placé livre ça dans plusieurs notes et librairies encore. Ok, c'est avec nous, Jimmy Malval, donc nous préférons le Malval, parce que c'est nous, ça, tout le monde connaît. Donc, nous avons quelque chose, tout, comme dit ça, travailler avec vous un petit peu, mais ça, vous êtes responsable, même, pas dit qu'il y a une institution, mais quand même, vous êtes responsable, même. Donc, ça veut dire, même, responsable, vous êtes sous tête, moi. Donc, je vous dis, c'est nous-mêmes qui retrouvons nous sous même panel, et puis, nous avons partagé ensemble. C'est ça, la dynamique de la vie. C'est ça. Donc, c'est vraiment une nouvelle expérience. Bon, écoute. Nous avons un peu erré, mais nous sommes à bon port. Oh, bon, bon, justement. Donc, c'était avec nous, alors, parti, qui n'a, alors, bon, un côté, qui n'a Malval, qui c'est écrivain. Donc, on t'a présenté au parti, ça, le Malval, qui, en tant qu'écrivain, qui déjà fait sortir un recueil, qui c'est nouvelle et errance, qui sont expliqués, qui parlent un peu de tout, et puis qui fait mon, prend conscience tout, de situation, de état, de gens à vivre. Donc, nous besoin ça, nous besoin de monde qui a fait nous garder tête, nous, et pour nous porter, prendre conscience. Et ça fait nous venir là aujourd'hui pour nous parler en tant que professeur à l'université, en tant que économiste, en tant que consultant, parce que très à la hauteur pour nous aborder ce sujet ça qui c'est qui modèle économique qui ca permettre Haïti sortir d'un trou. Donc c'est ça que nous allons parler là, mais juste avant nous avons quelques mots que nous nous habitué tendez, nous te voulons d'abord avec un économiste capable de définir décortiquer mot ça et puis garder tout comment économie mondiale là déjà nous connaît que avec le FMI. Donc qui on dit, genre, reviser à la baisse, et, économie mondiale là, croissance économie mondiale là. Donc, nous, pas le fond, passer sur ça, et puis, on a tombé dans le sujet, nous, qui c'est, qui modèle économique, qui peut permettre Haïti, sortir dans tout. Tout d'abord, nous, pas parler de inflation. Donc, généralement, en Haïti, et qu'on y a là, tout le monde net, dans les nouvelles, que sur les réseaux sociaux, nous, t'as des mots ça, inflation. Donc, c'est avec Malval, nous, pas le décortiquer mot ça, nous, pas l'expliquer qui ça, inflation est, et probablement, qui est-ce qui t'a loué là, pour gérer question ça pas seulement en Haïti mais du point de vue mondial comment ça fait généralement Malval là nous parlons de inflation qu'est-ce qu'inflation normalement inflation c'est hausse généralisée
et soutenu du niveau des prix. Ce qui veut dire que prix majorité bien dans l'économie a augmenté, mais il n'est pas augmenté seulement sous une semaine, sous un mois, sous deux mois, mais c'est une hausse soutenue. Par exemple, ça qui arrive moi, ça là, prix produit de première nécessité augmenté. Et puis, un mois et demi après, il descend. Et puis, après 4 mois encore, il monte. Après ça, il descend. Là, on n'a pas qu'à parler vraiment de l'inflation. Okay. Mais là, on a une hausse soutenue. Ça veut dire de mois en mois, prix a augmenté. Et que pouvoir d'achat mon a diminué. Là, nous capable de parler de l'inflation. C'est pas le prix d'un bien, mais c'est prix majorité. Ça qui arrive exceptionnellement que bien 2 ou 3 produits prix ont pas augmenté. Mais si majorité prix produit dans l'économie a augmenté, bien et cela de manière bien et service et cela de manière soutenue, là nous capable de parler de l'inflation. Donc ça veut dire faut gagner durée par exemple dans l'intervalle 1 an par exemple, il continue à monter. Donc, c'est ça, vous l'avez dit, l'on dit soutenu. Justement, soutenu parce que c'est pas 1 mois, 2 mois, okay. Mais on a parlé sur 4, 5 mois et puis continuellement chaque mois, là, pour augmenter. C'est ça. Là, nous, nos situations d'inflation. Ou se dit, on monte à l'heure, hein, que c'est pouvoir d'achat. Mon nom, des fois, on continue de décortiquer. Pouvoir d'achat, c'est qui ça? Pouvoir d'achat, c'est qui ça? Dans mon créole, mon n'a qu'à offrir, tête li, à ça les disposer comme corps. Ça les disposer comme revenu. OK. Admettons que je dis on t'a touché $500 américains, li te permet moi on certaine avec aisance pour me faire face au, à mes obligations familiales, à savoir nourriture, acheter essence, fonctionner normalement. Et puis qui s'est passé? Si il y a une généralisé des prix, si il y a inflation, moins pas qu'à acheter même quantité produit à service que m'd'a qu'à acheter avant. Moins pas qu'à procurer même quantité produit à service qu'avant. À ce moment-là, m'a pas obligé acheter dans tout produit ça y est, mais m'a réduit la quantité m'd'a qu'on achetait. Okay. Là, pouvoir d'achat diminue. Ok. Si m'd'a capable de dire comme ça, on atterrit net. Parce que, on parle de tout bagage, nous devons aller dans le bas niveau pour expliquer mon yo. On dit, par exemple, m'd'a qu'à acheter avec 150 gouttes, m'd'a qu'à acheter 3 pâtés. Pâté chaudière. Et puis, qu'on est avec inflation, hein, l'aime pas le coût machin, puisque chaque pâté était 50 gouttes, on achète 3. Donc, si j'ai mis 75 gouttes, on n'a pas acheté 3 pâtés, mais on achète 2 pâtés. Donc, si on va acheter 2 pâtés, ça veut dire, c'est cause par l'inflation, causé par l'inflation. Ou du moins, l'argent que m'dégué, ça m'dégué pouvoir m'acheter 3 pâtés, hein. C'est ça. M'baguer pouvoir m'acheter 3 pâtés encore. On a ces 2 pâtés selon gâche d'avel. Diminuer le valeur de l'argent, même, donc, ça veut dire, c'est inflation, hein. C'est ça le fait. Diminuer le pouvoir d'achat, diminuer, baisser l'argent, même, valeur de l'argent. Capacité m'gué pour m'acheter, capacité m'gué pour me procurer des biens et services. Des biens et services. Donc, m'espère là, tout le monde comprenne, qui ça, inflation, et j'en te dis, c'est au généralisé, c'est raison ça qui fait que par rapport à la situation d'inflation, en pile fois, mon est obligé de modifier le comportement en tant que consommateur. Voilà, c'est important. Hein? Expliquez-nous comment mon est obligé de modifier le comportement. Yo. Non, écoutez, gain quantité bien mon n'a qu'on acheté à. Il ne doit pas acheter même quantité à, il réduit, mais faut le consommer quand même. Gain allocation que t'es qu'on fait de revenus, ça c'est une d'un coup. Gagnon, et nous connaissons, mon n'a gagné revenu, hein, qui ça le fait? Les consommer, gagner, l'épargner, et la consommation, gagner pas l'équité pour loisir. Dans un premier temps, mon n'a qu'à dire, m'a continué à épargner même quantité, hein, m'a arrangé pour me faire face à besoin, et qui plus urgent, yo, m'a réduit sous loisir. Pourquoi comprendre? Mais, bon moment arrivé, après le fin réduit sous loisir, si inflation, hein, a galopé, li vin pa ka épargner encore. Mais bon moment privé li doit même pa ka épargner encore que pour faire face à ses besoins comme qui vin nan men nan pas suffit. Que des fois c'est prêt obligé vin a faire. Et yon nan bagay ou di la moi très très important on parler de épargner. Donc généralement nous on est épargner c'est mettre l'argent de côté. C'est ça. Mais lorsque gen inflation on met l'argent de côté. Est-ce que pas préférable tout par exemple je dis généralement les gen inflation il pi bon l'on investit l'argent parce que l'argent a perdu valeur côté lié à tout. Ça veut dire que l'argent n'est pas lié à tout. Est-ce que le comportement c'est à tout? On monde qui a vécu dans une situation côté que l'inflation a galopé. Est-ce que le patabon tout dans le thème comportement,
comme si pour moun sa plus a chercher faire l'argent fructifier au lieu que la serrer l'argent, parce que si l'argent perd du valeur côté l'IA, donc si l'argent ça travaille, donc la plus profitable soit possible. Non, mais quelque part l'argent qui est sur ton compte, si on si en situation d'inflation, le valeur retiré, c'est pas même quoi le jeune. Il diminue. En termes de montant, on jeune même quoi. Le montant. Mais en termes de valeur, c'est ça. Il perd du valeur. Et oui, en situation d'inflation, l'investissement est la meilleure des décisions. La meilleure des décisions. C'est ménage ça lui-même. Est-ce que les gagnants assez d'épargne pour le capable investir? Ok. Pour le capable investir, parce que en pile fois dans situation d'inflation, mon alpha outre la retirer quoi. L'idée épargne, c'est pour le capable couvrir consommation que le pas faire face à value. Okay. C'est pas pour le capable investir. Vous comprenez? Il est vrai que situation d'inflation en tout, qu'a fait mon, développer l'autre capacité, l'autre chose que le dit, ah, par rapport à la situation, ça, au lieu de quitter comme l'abdomen, son compte, bon, regardez si m'a fait en commerce, si m'a investi dans le business, si m'a fait comme la travail. Bien entendu, fait comme travail pas dépendre de mon temps, fait comme travail dépendre de notre question d'ici d'investir. Notre question d'investir. Donc, ça veut dire, c'est seulement parce que c'est une palliatif, au moyen que mon temps, lorsque l'argent a perdu valeur, donc s'il investit, donc, il a plus qu'un B. Résister par rapport c'est ça. Entre les sorties et les rentrées que l'a gagné, peut-être que, probablement, ça t'a permettre que le pape ait du richesse vraiment. Okay. Mais s'il quitte là, il pas investi du tout. Vous pouvez comprendre? À bien perdre de valeur. T'as quoi, j'en dit là, dans nouvelle errance, j'en dit, dans nouvelle lune, dans nouvelle lieu, qui attire attention, pendant que mécanicien attend une machine tombe en panne, mon âme, comme qui est machine, lui-même, la prière, bon Dieu, avant de sortir pour ne pas avoir qu'une panne. Donc, ça veut dire, on va regarder, comme si t'as dit, j'en dis, tout ça qui pas bon pour une, non, mais il y a une interdépendance entre les agents économiques. Mm-hmm. Ce qui fait que c'est circuit économique qui a montré nous ça. Nous gagnons ménages, nous gagnons institutions privées, nous gagnons institutions financières, nous gagnons l'État, ensuite nous gagnons le reste du monde. Ménages qui ça fait, ils vendent force de travail à institutions. Institutions eux-mêmes, ils rémunèrent par le biais de salaire. Salaire là qui vient dans mes ménages là qui ça le fait les consommer en partie côté là l'acheter c'est dans institution qui a produit hein et puis rester pas consommer à les mettre dans l'institution financière yo. Maintenant institution financière ça qui ça le fait le rassembler par ça les prêter entreprise qui besoin comme pour yo et financer une série de projets les prêter particuliers qui besoin faire prêt consommation prêter particuliers qui besoin investir dans des projets et mais l'État lui-même qui ça le fait ménage là paye des taxes et des impôts à l'État, entreprise là paye taxes et impôts à l'État, institution financière yo fait ça et l'État lui-même là c'était Rispal Boost n'a pas parlé dans cadre théorique cadre normal dans pays normal. L'État lui-même lui fournit des services non marchands, des services non marchands aux ménages, des services non marchands aux entreprises privées, les services non marchands aux institutions financières. Donc, c'est tout un circuit. Là, on a parlé de 4 agents, mais il y a un 5e qui c'est le reste du monde. Parce que tout le monde sait, yo a commencé avec le reste du monde. Qui, à travers équation, importation, exportation. Vous comprenez? Donc, chaque monde qui a vivre produit un chef économique. Moi-même, moi, je viens là matin, stat machine, moi, c'est un chef économique, moi, produit. Qui geste économique, mais comment c'est consommer carburant? Ok. Me fait bac mouler caoutchouc machine là et machine là qui roule à caoutchouc à la aller vers l'usure, son geste économique. M'a préparé pour m'acheter caoutchouc encore. Pourquoi comprendre? Nous venir là gain énergie et qui permet de nous fonctionner. Énergie ça c'est payer, énergie à payer, c'est un geste économique. Ce qui veut dire que chaque geste économique ou produit gagner en catégorie d'argent économique qui touchait et ça baille lieu souvent à des flux monétaires. Donc mécanicien attend même gens entreprise là payer moun qui va le travail là et c'est grâce à ça il met gaz dans machine, l'acheter machine, il fait réparer machine là. Vous comprenez? Même gens tout mécanicien a touché dans même monde parce que il va réparer le poulie. L'elle réparer le poulie, c'est dans quoi il paye là. Li al manje côté en bas la ville là pour journée. C'est dans quoi bien payer là le poté
et quoi de la caille parce qu'il représente un ménage, et un ménage c'est une unité de consommation qui vit sous un même toit. OK. Pour comprendre. Donc les acteurs économiques, il y a une bonne interdépendance entre les acteurs économiques. Et c'est ça qui fait dans la dernière émission que nous avons là. Alors une émission que nous avons pas dernière là. Nous avons avec Lionel qui est directeur général de KNFP que nous avons salué. Il était parlé que éducation, il a parlé de éducation financière, il était dit que c'est pas seulement ménageux, c'est pas seulement monde qui a consommateur besoin d'éducation financière, c'est également et les directeurs de les banques, exactement les opérateurs qui dans question financière, les fournisseurs de services qui besoin services bancaires qui besoin tout et services financiers, c'est-à-dire comme ça, qui besoin éducation financière. Parce que au même tout, puisque on parle de interdépendance, une dépend de l'autre, donc faut nous assurer nous que santé économique chaque acteur ça a pas précaire, parce que si une précaire, ça veut dire même qui des machines, si on pas des machines encore ou bon situation pas qu'à acheter machine ou pas gagner machine du tout, monde qui c'est professionnel dans mécanique là, il pas qu'à vivre parce que besoin monde qui a capacité pour gagner machine et en retour lui-même il est capable de ranger machine. Donc tout le monde tout bagage lié, tout bagage interconnecté. En effet, tout bagage interconnecté. On a là une question inflation pour capable on va c'est en l'autre partie une question qui c'est économie mondiale là. Nous gagne inflation généralement dit inflation par la demande. Qui n'est pas de inflation par la demande. Alors ça c'est cause on va le cause. Et une façon par la demande, ça, c'est qui ça veut dire? L'économie, on ne pas oublier, c'est la science qui s'occupe de la gestion des ressources rares. Imaginons qu'il y a là, il y a un produit, il y a plus de demande pour produire. Il y a une demande pour produire, mais le produit n'a pas existé en quantité pour satisfaire la demande. Ça, qui ça va passer? Dès que le produit est là, le produit devient plus cher. Plus cher. Ça, c'est inflation par la demande. Nous avons l'inflation qui généralement qui cause. Alors, ça qui cause l'inflation, c'est inflation par l'offre. Il n'y a pas la demande, il n'y a pas l'offre. Comment on va expliquer aux téléspectateurs que nous avons là? Imaginez que nous avons produit un cas offert. Par exemple, le paysan qui se trouve dans le sud, et puis d'habitude, c'est lui-même qui offre. On dit dans la carrière, par exemple, pour un cas bien situé, qui offre banane. Et puis, mon maladie qui passait, qui casait ma moitié dans banane que le produit. Ou elle t'a investi. L'elle t'a planté banane, elle t'a espéré, mais combien elle t'a vendu banane ça? Mais si il y a moitié qui détruit, faut arranger pour banane qui était à l'ivendre non plus pour le couvrir investissement. À ce moment, la banane que le bras l'offrir, la offrir plus cher. Ok. Parce que là, qu'on a pas même capacité à encore, l'été qui t'a dépensé, donc ça dit, faut le faire l'argent là, quand même. Faut le faire. Si ça que même, là, il augmente le prix. Il augmente le prix. Parce que il pas gagné même quantité à pour l'offrir. Bien entendu, faut nous dire, les deux sont liés entre demander offre là, yes. Sont servicieux. Okay. C'est que, les produits à exister en grande quantité, qui s'est passé? Prix à chuter. Eh ben, moi-même qui n'en position producteur, qui ça m'a fait, puisque prix a chuté, moi produit moins. Yes. Coup la boîte, coup produit moins. Dès que produit moins, prix a augmenté. Donc ça veut dire, ça que sous marché, s'il pas en grande quantité, demande la toujours plus élevé. Plus élevé, donc la plus chère. La plus chère. De même tout, coût de production, par rapport au coût de production, le coût doit élevé. Donc l'élevé à le vendre tout, la offrir max marché à sa volonté produit à, c'est ça. La plus chère. Donc nous avons l'inflation qui ont dit inflation importée. Parce que nous pas oublier que le pays a pas vivre en vase clos. L'aime t'a présenté agent économique, t'a parlé de reste du monde. Nous importer et nous exporter. Maintenant si prix produit que n'a pas acheté monté, yo augmenté depuis sous marché international là. À ce moment, les produits arrivés pour ici, prix a augmenté et maintenant ça dépend de qui produit. En par exemple, c'est ta pétrole. Yes. C'est ta pétrole qui sont produits de première nécessité. Et qui est transversal, je veux dire. Qui transversal. En par exemple, dès que prix diesel là, gasoline là, propane là augmenté, qui s'est passé? Il a touché tout secteur dans l'économie, puis tout le produit va augmenter. Or, inflation ça, c'est nous pas rien contrôler parce que produit à vendre nous avec prix à tout augmenter. Donc c'est une inflation importée. OK. Donc gagne l'autre cause encore parler de lui, parler de excès de masse monétaire. Ça veut dire qui cause inflation tout. Oui, admettons que nous connaissons ça, tout ça qui est cher, tout ça qui est en abondance moins cher. Donc imaginez que par exemple notre goud li gagne excès de goud là sur marché, ça qu'a fait ce soir
plus de dollars sur marché pour mitiger rapport là ou bien yo rarifier goud là pour capable bailler un petit valeur. Mm-hmm. Donc les li existait en aussi grande quantité, ça a fait que goud ça qui existait en aussi grande quantité, il perd du valeur. Donc pour l'existence en grande quantité, donc c'est BRH, c'est BRH, instance de contrôle là. Mm-hmm. Parce que même pour dollar tout, ça fait dollar prix et goud là qu'on a déprécié par rapport à dollar, c'est parce que les besoin dollar bien pression qu'a fait sous dollar à un moment donné quand c'est qu'on paye en dollar chaque jour mais en quand c'est besoin dollar. Mm-hmm. Moun ka acheter une série de produits à l'étranger c'est en dollar à payer, il faut. Mm-hmm. Qu'il acheter dollar. Mm-hmm. Donc compression sous dollar là des fois BRH c'est pas des fois, souvent c'est injection yo fait, yo mettez dollar sous marché là, yo rendez disponible pour pression qu'a moins forte pour capable diminuer. OK. Normalement cependant, mm-hmm, n'a dit question inflation, question dollar qui a pris valeur par rapport à Goudlan, intervention BRH, je me toujours pensé c'est des interventions artificielles. Moi pensais que structurellement t'as de gain plus bagaille qui fait t'as de gain des décisions qui prend en profondeur. Pas oublier nous t'ai parlé de importation exportation. Si vous importez beaucoup plus que vous exportez, balance commerciale ou déficitaire. Ce qui fait que à la longue ça passe, monnaie la perd du valeur. Mm-hmm. Mais comportement t'a dû changer. Nous t'a dû identifier qui produit nous qu'a suspendre importer que nous qu'a produit. Mm-hmm. En Haïti. En nous prenons exemple le riz. À un moment donné, exportation de riz, importation de riz c'est pour un bagage qui était trop élevé. Mm-hmm. L'antibonite était presque suffit pour bailler toute Haïti et nourrir toute Haïti dans la consommation. Mm-hmm. De riz. Mm-hmm. Actuellement, c'est quoi la situation? Ou bien la tibonite, t'es toujours là. Mais les gens, ils sont confrontés à toutes sortes de difficultés. Okay. Par exemple, il y a 2 semaines, on était dans la tibonite. M'a passé dans une zone consondée pour ma privée zone Kafoupey. Bon bois qui est très arrosé, qui gagne du riz là-dedans. Mm-hmm. Bon l'autre bois qui sait pas gagner du riz. Pour qui ça? C'est parce que canaux, ils ont brisé, canal, ils ont pas curé, gain, ils ont crasé. Et pas gain intervention qui fait à ce niveau-là pour aider mon yo. Gain des moun ki zo ki sou 3 ans kote yo pas capable produire du. Non seulement ça et plonger moun ki sou bò sa dans extrême pauvreté, mais aussi ça fait ki ça que du riz ça que nou te kon produire nou pas ka produire encore, nou bija chercher l'ailleurs. Mm-hmm. Ça qui gain pour conséquence continuer détériorer et comment dire détériorer et déficit et nou gain au niveau de balance commerciale. Et ça ou bien conséquence directe pour augmenter l'évaluation monnaie. Zami, on cap garder émission 1, on garder émission pour là qui c'est en parler toute bagaille qui bien évidemment on suivre nous sur canal bleu comme le ciel. Jodi an nous gagnons invité qui c'est économiste, c'est professeur à l'université, il c'est également écrivain, il écrit un livre qui c'est Nouvelle Errance, non pas c'est Jimmy Malval. Mais elle est plus connue sous le nom de Malval. Donc, avec Malval, on a décortiqué, nous avons un thème bien particulier que nous allons aborder. Donc, mais dans la première partie, nous avons parlé de nouvelle errance, nous avons parlé tout de l'économie mondiale, inflation, qui ça inflation est. Donc, et puis, avant que nous rentrions dans le sujet central là, qui c'est, qui modèle économique qui peut permettre à Haïti sortir dans tout. Mais avant de faire ça, nous avons parlé avant de quelques bagages, sujets ou bien quelques thèmes qui sont très très fréquents de nos jours, mais que ou pas trop comprendre. Donc, il va permettre que lorsque nous allons parler de modèle économique, on va peut-être plus ou moins comprendre quelques bagages. Donc, Malval, inflation, pas un bagage seulement nous n'a subi, c'est à l'échelle mondiale. Je ne dis rien, il y a presque toute grande puissance. Il y a connu un moment difficile, côté que la caillou, n'a pas regardé sur télévision, alors sur une télévision à l'étranger, qui a montré comment mon a plein, je ne dis rien, comment prix, et ça, c'est un pop, il a monté. Donc, ça encore, c'est inflation. Selon même, comment est l'économie mondiale là? D'abord, avant de parler de situation qui vraiment conjoncturelle là, et qui influence l'économie mondiale là, qui c'est guerre Ukraine-Russie là. On nous dit, avant ça, dans qui ça nous sortit, nous sortit dans la COVID. Mm-hmm. Nous sortit dans la COVID, côté t'es gain confinement, côté t'es gain arrêt de production pour certains
pour certaines denrées ou dans beaucoup de pays. Côté, c'était confinement. Ça a impacté vraiment l'économie mondiale là. Il est vrai que si on a considéré que à des moments côté pour qu'on ait pile garantie que mon yo te gagné sous Covid là, sous évolution, sous transformation, mais mon yo te prêt déjà pour sortir dans confinement, c'est parce que tu senti l'économie mondiale là t'a subi et contre coup Covid là que pas capable kembe. Mais à alors que yo à peine lancé un processus et pour yo réouvrir toute bagarre puis dit nous sortir dans confinement et puis ces messieurs Poutine, Zelensky. Zelensky, bon, c'est pas seulement, ces messieurs sont allés en guerre parce que c'est, comment t'as dit ça? Nous avons Poutine d'un côté, Zelensky c'est vrai, mais on nous dit Ukraine plus semble marionnette là, et puis il y a un ventriloque qui a mené, bon, on prend vers la guerre. Parce que c'est comme si c'est pas Ukraine qui est en guerre, mais c'est une guerre qui a fait par pays interposé. Vous comprenez? Mais qui s'allie? Comment comprendre l'impact de la guerre sur l'économie mondiale? Pas oublier que la Russie est un pays qui est riche, sous-sol est riche. Sous-sol est riche en pétrole, sous-sol est riche en l'autre gaz naturel, sous-sol et maintenant sol là lui-même, son pays qui produit un pile blé. Donc, la Russie est un pays qui s'était engrenier pour l'Europe. On grenier pour l'Europe, pas seulement pour blé, pour un paquet de l'autre produit, ensuite, en termes de sous-sol, pour gaz naturel, pour pétrole. Et puis, du jour au lendemain, et la Russie dit, m'a envahi l'Ukraine, et puis il y a envahi l'Ukraine. Qui s'est passé? Écoute, il fallait quand même sauver les apparences, bon ensemble de sanctions tombées sous la Russie. Mais qui dans un premier temps qui pas touche que nous rendons compte que y a pas pour y attaquer question et gaz y a acheté dans maintenant. Ukraine qui sous les bombardements, Ukraine qui est ukrainien ou bien qui est syrien, son pays t'a produit. Son pays qui t'a produit des biens et services que l'autre pays t'a qu'on acheté dans même. Maintenant, majorité population est déplacée par là. Infrastructure détruite. Qui s'est passé? Pays t'es dépendant de l'Ukraine, yo. Yo pas gagné, yo pas immédiatement gon plan B pour yo t'es approvisionné, yo. Yes. Kouya, qui s'est passé? Puisque c'est du jour au lendemain, yo obligé à approvisionner l'autre côté. Et l'autre pays peut-être pas de structure de production pour te répondre rapidement. C'est ça. Ça crée rareté, ça crée inflation. Maintenant, la Russie que t'es qu'on a pas alimenté toute l'Europe, sous du pas acheter non même. Ou approvisionner on l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le blé russe fait défaut. Le gaz russe fait défaut. Et, oui, si c'est pas 20 seulement qu'on fait l'Europe, il qu'on achète dans le monde. Donc, pays ça, yo. Qui t'es qu'on vend là aussi? Yo, gain produit, t'es qu'on vend qui est dans le monde. Tout comme yo, t'es qu'un produit, t'es qu'on achète dans le monde là aussi. Que yo, pas qu'à acheter. De côté, gain inflation, gain, gain augmentation des prix au niveau de certains produits, de l'autre gain surproduction parce que tu as des prévisions qui t'es faites pour écouler une série de produits et la Russie comme client n'a pas qu'à écouler au niveau de la Russie. Ça qui fait que ça toute prévision que et FMI t'es fait ou OMC t'es fait, toute prévision ça est obligé ou à la baisse. Dans un premier temps, il y aurait prévision de croissance ou à la baisse. Mais si ça continue, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Nous allons diriger nous probablement vers une récession. Récession économique. Vers une récession économique. Parce que s'il est vrai que Covid là t'a montré toute faiblesse mondialisation, il t'a montré interdépendance qui vient de pays, mais avec crise ça, parce que pas oublier, c'est sur le sol européen, c'est première guerre vraiment qui, d'une certaine durée, que nous connaît après seconde guerre mondiale. Et que les seigneurs de la guerre qui t'ap gardé conflit ukraino-russe là t'ap développé, si c'est vrai que en plein monde passé Poutine t'a bluffé, mais yo pas réfléchi à toute conséquence qui t'a capable gagner en pile pays, c'est plan B ou y a chercher en termes d'approvisionnement en énergie et par rapport à qui pire que yo ka fait pour économie, parce que économie vraiment impacté. Amis téléspectateurs,
jodi an nou a pale toujou de l'ekonomi, de finans. Nou gen okasyon pou nou aborde tem sa ki model ekonomik ki ka pèmèt Ayiti soti nan trou avèk invite nou Jimmy Malval. Deja nou gen te fon tou sou kesyon liv ke l'ekri ki se Nouvel Erans pou nou ede konprann ki model ekonomik. Nou te vle tou palo de kelke suje ki d'aktualite ki se inflasyon. Li te itilizon moto ki trez important, l'interdépendans, ki monte ke nou pa nou vaz ke nou pa pou kon nou. Juste avant que nous allions aborder tem nan, nous devons faire un passé pour nous garder comment sur le plan mondial, comment l'économie a évolué. Donc, nous rappelons encore une fois que ça qui a passé dans l'autre pays, dans la guerre, il y a un impact direct sur nous-mêmes. Jean-Claude Petit remédie pour question de catastrophe naturelle, lui remédie, c'est pareil pour nous barrer. Nous allons observer une pause et tout de suite après, nous allons retourner avec invité nous. Malval, pour nous rentrer dans le fond sujet ça, qui modèle économique Haïti, qui modèle économique Haïti doit utiliser pour permettre les sortir dans tout ça qu'il trouve. À propos ça, n'a pas tourné. Ou remè santé ou pas vle prendre un faux médicament qui expiré, marchez vite, vin joindre nous dans Faustin premier pharma. Ou c'est un sportif qui besoin bon protéines et supplément qui gagne nom pour arrêter jam. Presse, vin joen nou nan Faustin premier pharma. Et si ou se yon parent ki ta reme bébé ou l'arrêté en bonne santé, pa kase tèt, vin achete produit pou bébé ou nan Faustin premier pharma. Ou ap jwenn lèt pou ti bébé tout l'âge, diaper, wraps et latrier. Ou se yon demoiselle ki vle toujou bel, nan Faustin premier pharma ou ap jwenn bon produit à bon prix. Espace nou an bien aéré, produit nou yo bien conservé nan bon condition d'hygiène. Ou intelligent pas vrai, fait bon choix, acheter médicaments, produits pour bébé, produits cosmétiques ou dans Faustin premier pharma qui chita colle dans 37 rue Faustin premier Delma 41. Pour ordonnance, conseil santé avec l'autre information, relez-nous dans 34 39 94 92 au soit 43 23 66 32. Faustin premier pharma, servi aux ses priorités. Amis téléspectateurs, on suivi l'émission pour là, on parler toute bagaille, nous retourner après pause là. Nous gars avec nous Malval, ensemble avec n'a garder qui modèle économique qui ca permettre Haïti sortir dans tout. Mais avant, puisque Malval c'est un écrivain, nous t'ai parlé de Nouvelle Erans qui c'est livre on recueil de nouvelles que lui sorti. Et on a besoin dans plusieurs et côté dans capitale là qui au Vanni. Donc nous t'ai parlé tout de inflation hein, qui s'aligne, nous t'explique qui ça inflation hein. Également nous parler tout de économie mondiale là et li saute parler tout à l'heure gens que bagay yo a augmenté inflation la caille tout pays pratiquement dans monde là a augmenté. Donc nous t'ai voulu nous comprendre que si bagay continue comme ça nous pourrait aller vers une récession économique. Et puisque Haïti pas son planète pour col, Haïti doit parler une petite parole ça que et généralement Claude Gondi pour question problème de terre c'est pas répondre pareil. Donc à travers émission ça nous pour essayer ouais comment nous capare et qui modèle économique que nous même nous devons mettre accent sur lui ou bien choisi qui choix nous devons faire Jacques de Joudil puisque l'économie c'est la science des choix et ben qui modèle économique qui capable permettre Haïti sortir dans tout. Malval nous retourne après président. Donc n'a pas directement d'emblée dans thème là qui c'est qui modèle économique qui ca permettre Haïti sortir dans tout. Comment ouais qu'est-ce que ça? Bon, ça fait me sourire un petit peu parce que j'ai une question à poser, on pas ta dit modèle ça son baguette magique, vous comprenez? Bien entendu d'abord si on a parlé de modèle, un modèle c'est une représentation simplifiée de la réalité. L'un des modèles économiques et dans cadre dans contexte où poser question là et les plus et rapporter la salaire les systèmes économiques. Donc nous connaissons plusieurs systèmes économiques et il y a un système capitaliste, il y a un système socialiste ou bien planifié et puis que il y a un système que les systèmes mix qui c'est un savant mélange des deux. Bien entendu en théorie en théorie parce que et le ça nous va le faire d'abord nous va essayer ouais qui ça chaque système ça y est
Ensuite, nous allons regarder la situation Haïti pour nous voir ça qui est bon pour lui. Bien entendu, j'aime dire au départ, pas une baguette magique, pas une formule toute faite. Mais nous avons la situation Haïti au regard du système économique sérieux pour nous voir qu'est-ce qui est capable pour lui. Ok. Lors du système capitaliste, il y a une bagarre qui priorise, c'est la propriété privée des moyens de production. Ça veut dire, c'est entrepreneur, c'est individu, c'est entreprise, c'est personne physique, bien personne morale, qui possède des moyens de production yo, et qui a produit dans qui objectif pour yo faire profit. Ok? C'est dans un objectif mercantile. Dans objectif mercantile. Alors que, lors du système socialiste ou bien planifié, c'est l'utilisation collective des moyens de production. L'utilisation collective et objectif natou, c'est pour le bien de la communauté. C'est pour le bien de la communauté. Ce qui fait que, lors d'un système capitaliste ou d'un système côté moi-même, moi, ouvre entreprise, moi, gagne des objectifs d'efficience et d'efficacité, moi, utiliser des moyens de production, moins utiliser des facteurs de production, moins utiliser des intrants pour être capable d'atteindre des objectifs qui c'est le profit. Ça mène à qui ça? Ça mène à gagner une structure de production, ça mène à gagner des employés à qui moins bailler un salaire. Vous comprenez? Donc, il y a une relation salariale qui existait entre moi-même d'une relation de propriétaire d'entreprise à employé qui existait entre et entrepreneur et monde qui travaille ensemble avec. Oui, qu'on y a là, choix ça on parlait là, qu'on y a un système capitaliste et système socialiste. Qui est-ce qui fait choix ça? Normalement, et c'est très intéressant, dans le cadre politique économique, pays a en fonction de tendance, choisir quel type de système économique pour y appliquer. C'est ça que fait au départ, moi, t'ai dit, en théorie. Parce que le capitalisme à l'état pur, pour moi, il va exister. Tout comme le socialiste à l'état pur va exister. C'est pays à qui choisit mes tendances pas, mais qui système économique m'a appliqué. Ce qui veut dire que, est-ce que l'état apprend tout bien, yo nationalisé, li di n'a produit, li décide qui ça qu'a produit. Parce que l'on a un cadre d'économie planifiée, économie socialiste, l'État décide mais qui bien a produit, mais qui bien a produit, mais qui bien pas produit, mais qui besoin qui gagne, son bagage qui planifié. Alors que dans le cadre d'économie capitaliste, là, s'il est vrai que l'État, par rapport avec un ensemble de besoins qui déterminé, bah, une tendance, mais c'est chaque entrepreneur, chaque groupe d'investisseurs, qui dit maintenant qui domaine moi aller. Yo choisi investir dans domaine ça. Tant qu'ou et ou même par ou qu'a dit moi-même moi pral créer une entreprise de chaussures. Ou bien on dit moi pral créer une entreprise qui produit lait, qui produit du lait ou bien créer une entreprise qui produit du riz dans la Tibonite. Mais dans cas d'économie planifiée là comme ça. Gagné l'état central qui décide qui dit voici nos priorités. Mais qui ça pour nous produire? Et yo créer des entreprises qui pour produire des entreprises nationales qui pour produire et population travaille dans entreprise ça yo. OK, je viens vous dire hein, si bien comprendre Haïti plus dans système capitaliste. On regarde. Je nous dis un capitalisme pour moi il pas exister à l'état pur. L'autre dit Haïti plus dans système capitaliste, on comprend. Majorité moun kap travay, bien que majorité population pas travaille pas salarié, bon bonne partie c'est entrepreneur, les dit entrepreneur, bon gré malgré micro entrepreneur, petite entreprise, grande entreprise. Mais nous avons masse moun qui pas travail. Qui pas compétitif parce que n'oublie pas le capitalisme, c'est la compétition. C'est la recherche de l'intérêt personnel, c'est le principe de la main invisible, on ne peut pas oublier ça.
qui ça qui t'a plus approprié pour Haïti. Ça qui a amené ma système mixte là. Système mixte là, c'est une économie côté où à la fois gain initiative privée yo et où gain l'État qui très présent dans dans économie. Est-ce que c'est à 50-50 ou bien 40-60 ou bien 70-30? Non, pas. Ça dépend de l'économie. Bien. Et ça a touché un point, le point de la redistribution des revenus aussi. Bien pays qui dit oui, nous gagnons système capitaliste. Cependant, nous avons un penchant qui est vraiment socialiste en ce sens que n'a taxé les plus riches pour nous capables de récupérer de l'argent pour nous aider, accompagner les plus démunis. Les plus démunis. Parce que il y a des gens qui sont obligés de soutenir, il y a des gens qui sont obligés de créer, ils sont obligés d'offrir les services non marchands. Maintenant, Haïti, qu'est-ce qui serait l'idéal? C'est pour ça que je dis que, est-ce que nous avons une baguette magique? En nous prenant exemple. Pour un système capitaliste vraiment qui a marché en Haïti, faut nous avons un taux d'alphabétisation qui t'a vraiment élevé, côté mon niveau d'éducation, côté accès à université, accès à école de commerce, majorité mon gagne yo, côté mon éducation financière yo fait, côté mon bon minimum de vie. À ce moment, ou ka di, puisque tout mon yo gagne minimum na yo gagne base là, la libre concurrence capable primer. Que chacun s'arrange pour créer une entreprise, pour faire le marché. Mm-hmm. Et puis, à ce moment, on a laissé les lois, on va laisser jouer les lois économiques. Parce que dans le système capitaliste, là, yo prenez pour l'État pas trop intervenu. Oui, l'État a intervenu pour réguler, l'État a intervenu pour ajuster, mais pour ne pas trop intervenu. Mais pour que l'État quitte les lois du marché, je veux dire ça, il faudrait qu'on ait un marché équitable. Même, on comprend le marché, il y a le marché du travail. Mm-hmm. Ou les ménages à offrir travail et les entreprises à acheter travail. Mais que se passe-t-il? Les ménages, ils ont pas en situation, les demandes, les ménages, ils ont pas en situation de négocier. Pour qui ça? Parce que majorité n'ont pas de travail. Les gens ont offre d'emploi, ou bien des dizaines de monde qui présentaient, et qui s'est passé, même négocier, ce qui est son salaire, autant pile fois pas négocier. Parce que le taux de chômage est élevé. Mm-hmm. Donc, sous marché du travail là, déjà, on déséquilibre. Vous comprenez? Mm-hmm. Maintenant, sur le marché des biens et services, les opérations sur biens et services, qui s'est passé? Nous avons besoin de produire, ou qu'on a besoin de produire, côté consommateur n'a pas le choix vraiment pour négocier. En dans l'économie qui est vraiment capitaliste, t'as donné des conditions pour que le consommateur avise, pour le négocier. Sous marché de travail là, t'as donné des conditions côté moun ka profit travail la ka négocier entreprise là. En nous prend exemple et le marché des capitaux entre moun ki gen moyen pour financer économie et moun ki gen besoin fonds pour investir doit capable de négociation seulement en garder taux on va pas ouvrir la boîte de Pandore, nous pas parler ni de IMF ni de banque, mais en garder taux qui en cours en Haïti yo, et puis en garder taux qui en cours dans l'autre pays, par exemple même à côté en Dominicaine. C'est pas un jugement qu'on porte, parce que nous connaissons, plus le risque est élevé, c'est plus le taux d'intérêt sera élevé aussi, ça nous connaît. Mm-hmm. Ce qui fait que, et, système capitaliste, là, pur capitaliste, là, nous pas prêts pour lui. Il y a un travail qui doit être dans la société, un travail d'éducation, de formation, de mentalité, et une préparation que tu as de faire. Alors, excusez-moi, super, moi, je voulais un petit genre réagir sur lui. Mal va dire que le système capitaliste, par rapport à gens qui le définissent, n'est pas prêt pour lui. Et c'est peut-être, c'est ça que je trouve dans la société noire, dans le pays noir, pays que nous tous aimons, Haïti, chérie. Nous souvent entrer dans ces accords, souvent prendre des décisions sans que nous pas de gain en préparatif. On va quitter peut-être au préalable
pour nous avant d'entrer là-dedans. Et c'est erreur ça malval, parce que nous toujours continuer fait. Nous prêts pour nous signer toute bagaille, nous prêts pour entrer dans toute convention, mais travail à la base yo pas fait. Donc ça fait nous venir avec sujet ça, côté que aider nous comprendre et les téléspectateurs comprendre qui choix, qui meilleur choix système Haïti doit faire ou bien dire qui modèle économique Haïti choix modèle économique qui doit faire pour aider sortir dans tout, parce que nous tout d'accord là, je dis à nous à genoux pas gagner qu'un croissance qui fait pas une augmentation vraiment de la richesse, qui a une mauvaise répartition de la richesse, ou bien petit groupe qui a bien vivre, qui a bien passé, les jeunes capables de dire là, mais continue bien passer, Jacques Lionel te dit dernièrement, qui parle encore qui a petit balle dans le propre pied, parce que lorsqu'on a bien passé, on pas tenu compte de ça qui est en bas, pour même tout, pour évoluer, on l'a qu'à priver, ou pas besoin de côté, ou bien passer encore. Mais de notre côté, est-ce qu'un système socialiste ou bien planifié, c'est le bon pour nous tous? Comprenez bien. Donc, on va laisser expliquer mon système socialiste, là. On nous comprend. Et système socialiste, économie socialiste planifiée, c'est la propriété collective des moyens de production. C'est, il n'y a pas de compétition, c'est l'État qui planifie, c'est l'État qui détermine les priorités, mais on y réfléchit. C'est pas que nous avons page blanche, non, mais nous fait qu'à commencer à écrire. Si nous avons une page blanche dans nous fait qu'à commencer à écrire, nous t'es qu'à dire, nous pas qu'on capitaliste, nous prenons socialiste. Nous prenons économie socialiste ou bien planifiée. Mais nous pas qu'on page blanche dans nous. Nous avons des mondes qui possèdent des moyens de production, ça y est déjà. Nous pas qu'à lever journée, je dis, nous dit non, regardez, t'es ça, 150 carreaux, t'es ça, ok. Usine ou gagne, entreprise ou gagne, que pays a changé système économique, il changé modèle économique, il n'est pas pour moi encore pour nous tous. Arrivé à ce stade de notre vie, le peuple n'a pas qu'à faire. Et nous avons exemple, un pays à côté, à pas trop loin, qui fait, et nous connaissons toutes conséquences ça a gagné, qui situation, la vie, c'est Cuba, la vie, en embargo jusqu'à présent. OK, qui t'est passé de capitalisme à système et planifié. Maintenant, toute chose étant égale par ailleurs, bon paquet de monde qui actuellement a vivre de système nous est là. Nous par contre qui système n'y est. Il est pas purement capitaliste. A vivre de système que nous est là. Moun sa yo li pas facile pour dire n'a pas changé système, tout est bien, on va les mettre en commun, on va devenir une économie planifiée et on va devenir une économie socialiste. Non, c'est comme sou dire on fait tabula rasa, on bon page blanche, on va commencer à marcher à quatre pattes. Maintenant, dans les faits, et ça fait me toujours dit en théorie, il y a deux systèmes, ça va pas exister à l'état pur. Dans les faits, les économies sont des économies mixtes. Côté deux côtés où il y a un capitalisme, c'est des cas de figure. Côté où il y a un capitalisme qui est développé, et puis par en bas où il y a l'État qui a fait une distribution des richesses, qui fait une distribution à travers allocation sociale, qui fait à travers services non marchands que la population. Et population qui capable et population qui démunie. Parce que là au fond route là et gagne courir sur route là et malheur marcher là-dedans, nous d'accord. Mais là on mettait les bon caisses d'assistance sociale, nous bien temps ouais vers qui est les diriger, vers les plus démunis. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que oui, majorité économie aussi des économies mixtes, gagne qui gagne droit à 80% capitaliste, 20% socialiste à travers volet social yo, gagne qui gagne droit 60% socialiste et puis yo a 40% et capitaliste, mais pas une baguette magique qui dit mais qui système économique qui a aidé nous. Moi je pense que solution a sorti dans haïtien. Dans haïtien dans comportement. D'abord faut commencer produire. L'on parle en province, ou a couru des kilomètres pour un bon paquet de terre qui était vide. Pour qui ça te sa yo, yo pas utilisé ou yo produit. Oui, mais, excusez-moi. Là, nous tous d'accord, comme acteur, comme monde qui la vive question économique yo, sur le plan macro, sur le plan micro, nous gardons bagay yo, nous voyons problème yo.
nous gagne théorie mais dans la pratique nous zéro parce que je vous dis hein faut d'accord que impôt nous même qu'a travail salarié tout paye impôt mais il y a de monde tout qui fuit question ça qui fait un contour qui contourne qui pas paye impôt donc généralement on pays qui a fonctionné côté que les grandes entreprises ça qui gagne plus rien solide c'est pas au cap payer donc c'est sûr que nous pas ca vraiment joindre l'état tout pas besoin moyen tout fonctionner et l'état tout qui positionne là souvent c'est des géants de grandes entreprises qui permettent que soit premier ministre là qui permettent soit directeur banque et banque gouverneur banque centrale ça là qui permettent donc tout ça lorsque c'est nous on a une question ça confie le ça donc quel que soit ça nous fait pas sortir donc il a me comprendre leur dit comportement nous doit changer mais est-ce que l'état lui-même li ka sorti dans situation de rester avec si m'ga di moi comme ça pour prendre responsabilité pour connaître que c'est nous-mêmes qui doit bailler directive parce que un bon matin pas pleuver effectivement d'accord nous pas ca changer système nous pas ca dire société capitaliste ou socialiste ou parler de système mixte mais comment ca définir système mixte ça qui ça la donne j'ai noté dia c'est un système côté à la fois où il y a une forte intervention de l'état pour réduire les inégalités pour et booster production pour booster ça n'est capable de entrepreneuriat mais de notre côté côté le quitter secteur privé à tout il crée les conditions pour jouer au lieu il crée les conditions pour produire actuellement nous dans situation côté l'état pas joue le rôle pour réduire l'inégalité mais secteur privé à pas à l'aise tout pour fonctionner monde qui a moyen de production yo, parce que nous connaissons une situation de sécurité. Nous te prenons exemple la Thibonite qui s'allie. Gagne un gang qui nous zone ça vient, l'écraser canoë, l'empêcher de y aller son l'autre bord. Qui s'est passé depuis 3 ans mon pas gagne pas jeune de l'eau, yo pas ca produit du rien. Qui ça qui derrière ça? Parce que le par exemple on groupe nèg. Si m'ba virer les gang, on groupe nèg pour une zone. Et puis côté de l'autre qu'on passe pour arroser pour bailler du rien on va aller le bloquer et puis le craser ou mander qui revendication nèg ça nèg là existé dans zone là l'autre entend dans radio c'est dit gang ça dit l'autre là dès pour venir m'a fait ci et puis deux gangs en face mais qui ça qui a l'origine est-ce que objectif là c'était craser canaux d'irrigation pour pas produire du riz est-ce que nèg gang ça tout c'est des importateurs de riz oui? Parce que si continue gain développement dans zone du rien pas importer encore ou quoi comprendre bon paquet de bagaille qu'on a regardé est-ce que pas penser tout malval que l'état nous gain là li on dit gens trop partisan même dit trop partisan ça veut dire puisque nèg ça li même li rivé dans pouvoir li rivé dans opposition li gon monde que l'a fait plaisir on dit par exemple jour aujourd'hui nous gain banque centrale qui reste banque centrale a fait plaisir est-ce que lui fait plaisir à seulement secteur privé ou bien la font mettre l'imposition de fonctionnement pour que les rendre économie plus fluide pour le marché bien mais ça veut dire pas qu'à gon l'état tout comme si qu'à positionner le en groupe pour positionner c'est une question quoi c'est que est-ce que l'état en soi positionner le en groupe contre là moi c'est ta propre c'est nous dit ça mais on dit que il y a une faiblesse de l'état l'état a toujours des vœux pieux il a toujours voulu réaliser de grandes choses. L'État pas jamais font budget côté il dit que nous pas essayer faire développement. La situation c'est quoi? Gagne des forces en présence. Lesquelles forces a agi pour conserver prérogative yo? Est-ce que vous comprenez? Force qui en présence ça yo, dépendamment de centre d'intérêt yo, toute bagaille qui ca vers un changement, vers une amélioration. Ou pas jamais force ça apparaît mais il y a des pions c'est ça que me t'ai parlé de marionnettes et de ventriloques ou a toujours joindre des marionnettes capables pourtant ventriloques leur parole moi ca pour exemple très simple c'est une blague hein bon par contre si c'est une blague mais il raconte même comme si c'est vrai moi même prendre comme blague je dis moi en 2006 époque Préval a fait campagne gagne un sénateur un candidat au Sénat qui montait et puis Préval était chita en bas monsieur monter sur ce strat là, monsieur dit, oui, me promettez-nous pour
relancer production du riz en attendant ma fongeant pour nous joindre du riz à bas prix. Et puis monsieur fini, le monsieur descend, m'a cité nom monsieur comme Préval nous nous a cité nom. Préval dit si tonton vient pas. J'aime dire là m'pas contre si son blague ou bien si c'est vrai. Même penser qu'il y a quelques spectateurs qui ont l'histoire ça. Monsieur dit aux dernières nouvelles où c'est important de Dieu. Candidat au Sénat dit non. Il dit où c'est producteur Dieu. Il dit non. Il dit mon choix pour cette campagne là pas fourre bouche ou dans bagage comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pas fourrer bouche ou dans bagage comme ça. Ce qui fait que chaque créneau où tu as manger en dans économie, il y a des gens qui ont monopole. Et ce n'est pas Haïti, non? Pas de personne dit Haïti, son pays, corruption. C'est dans tout pays comme ça. Mais dans notre pays, il y a un niveau de décence qui n'est pas arrivé. Dans tout pays, il y a des gens qui sont très riches, riches de manière indécente, et il y a des gens qui sont très pauvres. Mais pauvreté à bon niveau est arrivé, il y a un minimum de vie que yo assuré à moun yo. Pour me comprendre point ça. On nous songer après indépendance américaine pendant un temps, t'es gagné esclavage dans partie États-Unis. Tout le monde toujours loué Abraham Lincoln et dit que l'abolie l'esclavage. Autre c'est vrai, c'est tout à son honneur. Mais abolition esclavage, c'est ça qui permet États-Unis côté lié. L'homme esclave là, c'est pour nourrir lui, c'est pour loger lui, c'est pour habiller lui. Si ça te gagne une toile, il te gagne sous lui, c'est pour mettre sous lui. Yes. L'homme malade, c'est pour prendre soin. Ce qui fait que, en fin de compte, l'esclave était devenu un boulet. N'ayez pas réfléchi, ouais, si vous abolissez l'esclavage, y'a pas bien pour nourrir esclave là. Y'a pas bien pour loger esclave là. Y'a pas bien pour occuper de santé. Mais esclave là, pour là, qui c'est une force de travail. En pile d'esclaves, ça a été retourné à travailler dans la plantation côté de l'envoi. Y'a payé, y'a pas qu'à joindre les deux bouts. Y'a t'a goumé pour y'a sorti tête, ce qui fait que, en bout de ligne, ces anciens propriétaires d'esclaves, j'ai dit en Haïti, ils ont gagné bénéfice. Parce qu'ils ont fait moins de dépenses, ils ont été plus comme. Et mais, qui s'est passé? Ça a évolué. Ou bien une classe, qui c'est classe prolétaire là, et ou bien la classe possédante qui a fait le travail. Dans tout pays, il y a des gens qui sont très riches de manière indécente, des gens qui sont très pauvres. Mais il y a un niveau. Est-ce qu'on comprend ça maintenant? Gain au niveau. Moun nan ou rive États-Unis, gain zone, yo dit que c'est des zones côté c'est moun a fait revenu prêté, mais a fait revenu an, moun nan gain bon ti appartement, li gain climatisation, li gain chauffage là-dedans. Ou pas comprendre? Que soit monté ou vienne ça gain jacuzzi, ça gain piscine la caillou, ou après c'est pas même école. Mais qui s'est passé en Haïti? En Haïti, les gens n'ont pas le minimum. Mais voilà, et ben l'État lui-même comme on parlait de système mixte, tu as supposé fouiller boucher dans cause là pour dire garder comme autre bagaille. J'ai inflation est là, ou gain salarié ça là caou, j'en appelle là là et pas comme homme parce que ça crive. Mon nerf il est bien qui est service là, il augmente prix. Si augmente prix, même mon ça capter là caou pas augmenter salaire, comment la fait cap faire acquisition de biens? Parce que ou même tout magasin si que pas permettre que mon capter là caou acheter un produit. Donc c'est ça, inégalité hein, tellement fort. Et je vous dis ça, c'est l'État qui peut choisir des moyens, des voies et moyens pour résoudre question inégalité. Hein. Donc nous allons terminer l'émission. Malheureusement, nous n'avons pas parlé de tout bagaille. Mais ce dit là, à la fin émission qui est très important, c'est que on dit que lorsque on abolit l'esclavage, il est plus profitable parce que pour fonctionnement, il a dit, pour entretenir l'esclave là, bon, t'es comprends, un meuble. Donc, c'est comme si pour le prendre soin esclave là, t'es très élevé. Mais lorsque l'esclave allait me cap manger, il y a une liberté, il y a un travail, il y a une liberté, et me la permettre que, ou même tout qui déjà n'a plus au niveau, ou sorti de tout. Et ça fait nous parler de renforcement des économies inclusives. Donc, c'est pour nous garder comment l'État a dû être au milieu. Nous pas un problème.
nous d'accord, nous pas changer système, même qu'à aller voir un système qui est beaucoup plus mixte. Jacques que l'autre pays au fait, on regarde États-Unis par exemple, il y a des gouvernements montés et dit eh ben nous pas taxer monde qui plus riche pour nous travailler plus opportunité à monde qui pas de moyens. Donc gain l'autre état même leur monter dit catégoriquement nous même nous pas diminuer impôt. Donc ça veut dire l'état t'a supposé faire un choix. Comment n'a permettre que monde qui plus bas remonte. Et ben si remonte malval la avantageux. Parce que nous pas en question de combat ou bien contre carré monde qui gagne l'argent pour classe possédante. Non, nous plus voulez harmonisation entre classe possédante là avec monde qui en décembre moi t'ai assisté à une causerie là El Rancho côté où t'ai attiré attention sur le fait qu'il est dangereux d'être riche seul. C'est ça. Ça veut dire si vous êtes riche faut que mouvement fait en chaîne. C'est pas que classe qui est vraiment bas à venir riche, non, mais faut le au minimum. Faut le déplacer tout. Parce que si le mouvement pas fait dans le même sens, ou même moi, riche, l'autre, c'est descendre, c'est plus pauvre, la vie, plus pauvre, à ce moment, cette masse de démunis, il y avait de représenter un véritable danger, et c'est ça qu'a fait là, je veux dire. Mais un point que je voulais ajouter, c'est que l'État, faut le savoir, les forces d'exécution. Pour bagaille bouger, pour que les lignes puissent bouger, faut qu'il y ait une force d'exécution. C'est tout comme l'État dit, l'école secondaire, mais qui prie pour le payer. Si il dit, je dois payer tel prix, et puis pas une pièce suivie qui fait, il parle dans pièce d'école, il parle regarder, on l'école qui pas respecter ça, pas gagné privé. Écoute, l'État qui prend autant de mesures que le dit, mais s'il pas une force exécutoire, il n'est pas privé pièce côté. Et nous connaissons, dans la machine étatique là, bon paquet de pion qui place là pour enrayer machine là pour faire pas bouger. Mesdames, messieurs, c'est monsieur Paula qui vient en faire, on parle tout bagaille, nous te voulons connaître, est-ce que y a un modèle économique que nous te ka choisi pour permettre à Haïti sortir dans tout? Donc, gens que nous sommes là avec invité nous Malval, ils ont dit que nous pas qu'à parler de capitalisme pur, ni parler de système socialiste pur, mais qu'à parler d'un système qui est mixte. Ça veut dire que les moments, l'État est arrivé, l'obligé intervenu, l'obligé fouiller pied dans la cause, fouiller bouche dans la cause, pour régulariser, pour diminuer l'inégalité. Je veux dire, dans un pays, nous, l'inégalité à trop, écrasant trop large. Donc, monde qui gagne, pour gagner plus, faut gagner monde qui vient acheter, faut gagner monde qui vient produire. Même quand une machine, faut gagner monde qui vient sortir, qui a un salarié, qui vient midi, la vache, une machine, faut gagner un plan disponible pour lui. Parce que laisse ça vendre plus machine. Monde qui bague machine, qui vient travailler là, lui-même, lui vient travailler, ou paye le bien, ou paye en fonction de situation économique là. Donc, très souvent, même, on besoin de plus, et pour pas rendre compte que les gens nous disent, on va petit on balle dans le propre pied n'importe qui le, nous, les gens payent des délais juvéniles là tellement élevés, tellement pas qu'un salle cinéma, pas qu'un loisir même, alors que nous gagnons de grandes institutions, nous gagnons des institutions qui là, qui a fonctionné, pas qu'un salle sportif, donc, qui a gagné de toi. Donc, là, nous fait ça en bas, c'est que nous aider l'économie, nous aider le pays, et nous même tout, nous pérenniser l'institution que nous avons. Malval, quelques mots de la fin, nous te remercie. Bon, je te remercie, et nous gagnons vu plus ça que Haïti, pays nous, qui était connu des heures de gloire, non, c'est première république noire. Et que gagnons il faut qu'a fait. C'est comme si c'est un ressort plus essoudé qu'on l'a chappé. Vous comprenez? Nous pensons que nous croyons même j'en paquette l'autre monde en Haïti que le meilleur est pour la fin, que les choses vont s'améliorer. Merci. On va suivre Monsieur Paula. Donc, nous arrivons à faire. C'est un palais tout bagaille. On va aller sur channel YouTube, nous. On va taper. Ou soit sur YouTube, on tape un palais tout bagaille et on est capable de regarder l'émission ça. Donc, c'est Canal Bleu, bleu comme le ciel. Nous remercions Wilgens qui est dans le montage là. Nous remercions Chalmay qui est dans la mise en ordre là. Nous souhaitons passer une bonne fin de journée. Nous souhaitons passer une bonne soirée. Nous souhaitons passer une bonne journée. Tout dépendamment de l'organe émission ça. C'était l'émission pour un palais tout bagaille. Nous saluons Carmel qui est probablement là avec nous sur une prochaine. Nabzo, que bon Dieu bénisse nous. Que Dieu bénisse Haïti. Allez. Un palais tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui a bien pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a pas les toutes bagailles? Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rebranchez.